fondu et qu'il m'a fondu et qu'il m'a fondu comme une pastèque. Si bon que je suis là et déjà j'ai pris 10 kilos. J'aime les enfants. J'étais animatrice dans une école maternelle. J'ai toujours aimé les enfants. Ah, remarque, pour de grosses injures, les bétons, bon, quel bon ça tient. Nous, allez, il assure. Tu dis ça pour me faire plaisir. Ce n'est pas le moment, je dis. La veille déjà, il m'avait pour la je ne sais combien de fois dit. Tu dois te les faire opérer. Dépêchons, nettoyons. Nettoyons avant que mes supérieurs s'en mettent. En Amérique, au bout d'un an, je me serais sentie américaine. Mais ici, celle qui répond à tant à ma chère, celle qui m'a cassé que j'ai un marteau, je lui défonce le suffrant avec. J'ai eu de bons parents. Une enfance heureuse. De l'amour. Alors c'est qui? J'ai dit personne! Comment elle est pas? Et elle ne répond pas. Les vandales, ils vont me foutre des agios au cul. Les vampires sont des rats. Si jamais ils me foutent des agios au cul, je leur roule le crâne de plomb. Arrête de te monter la tête, tu ne verras rien du tout. Madame Keller, Monsieur Coulanges, la gendarme traverse la place. La place du marché est vide. Le marché au moins deux fois par semaine, ça ne serait pas mal. Dès 36 s'arrête, personne n'attend à l'arrêt. Personne n'attend à l'arrêt. Madame Keller, brrr! Les gens nous regardent. Personne ne nous regarde. Tu t'occupes trop des autres. Tu t'occupes trop de tes soeurs. Et tu passes ainsi à côté de plein de choses. C'est ça qu'ils regardent. C'est cette ahurissante beauté là, dans mes mains qu'ils regardent. Attends, ma chère. Il est venu le temps des maladies surgies de nulle part. Des maladies sans père ni mère. Ça a été chez toi ou ça a été chez lui? Et l'abbaye construite à la fin du XIIe siècle sur les ruines de la reine et où séjourna notamment Isabelle d'Angoulême et Jean Saint-Aigle. Au XVIIIe siècle, le château fut réquisitionné au profit de l'église qui y organisa des cérémonies d'exorcisme. Des jeunes nonnes qui avaient succombé aux tentations du malin. Ce que ces filles soient dignes de ce violoncelle, si au moins elles jouaient correctement. Je te regrette! Et fais bien attention à toi! Je ne suis pas comme cette dame, moi! Hé, elle est bonne patte, elle! Bien élevée, bien éduquée, civilisée à tendre l'autre! À te laisser lui cracher à la figure, elle! Moi, je suis une chienne! Une vraie chienne de chienne! Alors, arrête de vomir dans ma fierté! Arrête d'étaler ta merde sur les ailes de mon rêve! Arrête! Sinon, je te fais sauter les dents! Hé, tu vois ça? Je te fais sauter les dents à coups de marteau! Sinon, la prochaine fois, je te trouve corps et âme! Et c'est les pieds devant que tu sortiras de cette douche! Sinon, la prochaine fois, je t'arrache ton sale petit minou puant! Avec mes dents! Débarrasse-toi d'elle une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse! Mais arrête! Levez au moins votre regard dans le mien. La première et la dernière fois. Montrez-moi enfin de quelles ténèbres étincelle cet amour-là. Montrez-moi au moins vos yeux. J'aime les caresses, parce qu'après je m'ennuie. Il y a un soutien proche qui peut laisser moins bon. Tu y es, c'est éteint quand toi la lumière. Des seins juste comme ça, des seins juste comme ça, des seins juste comme ça. Parce que tout part du savon. J'ai même voulu. C'est pas gros, c'est petit. Bon, ça va alors. C'est juste ma calvitie.